reçu une lettre ce matin. C'est cousine Endale qui m'écrit de Douala. Écoutez ce qu'elle me dit. Depuis que cousin Nyamsi a ses millions, on ne respire plus. Il ne parle que de villa avec piscine en forme de cœur, de voitures américaines en forme de fusée, et de vacances à passer au bord de la mer, quelque part en Europe, de préférence sur la Côte d'Azur. Temps, cousin Nyamsi trouve que Rebecca, son épouse, n'a pas de bonne manière, qu'il lui manque le savoir-vivre. Il trouve aussi qu'il y a trop de bruit à la maison et trop de moustiques dans le quartier. Pourtant, ça fait si longtemps qu'il habite ici. Se prendre pour un grand, Nyamsi a fini par le croire. Chaque fois que quelqu'un vient lui demander un petit service à la maison, il lui dit qu'il ne reçoit que sur rendez-vous et pas à la maison, et que la personne n'a qu'à venir lui demander l'audience à son bureau afin qu'il puisse étudier son dossier en profondeur. Les grands restaurants, tu connais. C'est toi le grand roi des boîtes de nuit. Tu fais couler le champagne à flot. Tu payes des tournées générales de Chivas. T'es le nouveau millionnaire.
ils sont dans des hôtels 5 étoiles. Paris, London, New York, Las Vegas, Rio de Janeiro, Copacabana, Port-au-Prince, Pointe-à-Pitre, Bamako. Tu laisses tes échos partout où tu passes. Tu as laissé tomber les copains, tes anciens compagnons de route, ceux qui ont trimé dur avec toi, mais qui n'ont pas pu avoir la mer. Réussi. Le bonheur, mais c'est très vrai qu'il rend la vie.